Et bonjour à tous les amis, on se retrouve dans le troisième épisode de notre projet créatif. Dans le dernier épisode, on s'était attaqué à notre petite place du village avec les petits marchands qui étaient juste ici et la petite décoration avec toutes les petites plantations et les bambous autour des maisons. Et comme je vous l'avais promis dans le dernier épisode, je vais m'attaquer au temple asiatique en haut de la montagne enneigée qui va être l'une des constructions les plus imposantes. Donc ça va être le build le plus important de notre map, de toute notre ville. Je vais vous laisser avec le timelapse. Profitez-en et j'espère qu'il vous plaira. A tout de suite. Eh bien écoutez les amis, voilà, on se retrouve après le time-lapse. Donc voilà cette énorme construction qui trône sur cette montagne. Donc écoutez, j'aimerais faire les petites finitions avec vous dans cet épisode. Eh bien écoutez, du coup on va pouvoir s'attaquer à la porte. Du coup on va pouvoir y ajouter deux portes comme ceci. Il neige dehors, c'est bien, ça va mettre de la neige sur mes toits, pourquoi pas. Hop. Voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus. Je pense qu'on a un résultat qui est plutôt pas mal. C'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir y ajouter l'escalier qui va mener jusqu'au chemin qui va être juste ici. Voilà, on arrive sur quelque chose qui est plutôt pas mal, qui me plaît bien. Donc écoutez, je vais faire juste ici un background en terracotta violet.
Bien, écoutez, voilà, j'ai plus qu'à rajouter quelques finitions, comme ceci, et on finit avec des petites lanternes, simples mais efficaces, et on a notre escalier de complété. C'est parfait, on n'aura plus qu'à faire le chemin pour relier à la place du village. Eh bien écoutez, maintenant on va pouvoir ajouter quelques feuilles qui vont monter le long de nos fondations. Parce que bon, c'est pas non plus entretenu tous les jours, hein. Ils vont pas venir couper toutes les herbes qui montent. Et écoutez, je vais pouvoir faire ça tout autour de notre structure. Pourquoi pas y ajouter quelques couches de neige qui se seraient ajoutées au-dessus de nos feuilles. Parce que bon, il neige beaucoup, vous avez pu le voir notamment dans le timelapse. Ça rentre bien dans le décor. Et par la suite, je vais pouvoir placer des arbres un peu partout pour vraiment ancrer le bâtiment dans la nature. Et écoutez, je vais m'attaquer à ça. Je vais poser un peu des buissons aux alentours. Et on se retrouve dès que j'ai fini cette étape. Et bien écoutez, voilà, j'ai rajouté des petits buissons tout aux alentours de mon temple. Et comme j'ai mis de la neige sur ces petits buissons, je me suis dit, bah, pourquoi pas en mettre sur le toit aussi. Donc je l'enlevais pendant le timelapse pour pas gâcher un peu la construction. Mais maintenant que le timelapse est terminé, ça serait stupide de ne pas prendre en compte le fait qu'il neige dans cette région. En haute montagne, il faut prendre en compte cette donnée-là. Et donc pour finir, je compte ajouter quelques arbres autour. Pour vraiment rajouter la nature qui manquait autour, parce que j'ai dû raser quelques arbres. Maintenant que le temple est placé, je peux en rajouter, rien ne m'en empêche. Surtout que les sapins dans Minecraft sont vraiment beaux, je les aime vraiment bien. Donc ça serait vraiment bête de s'en priver. C'est parfait, c'est parfait. Même si c'est proche du temple comme ça, c'est vraiment bien, je suis vraiment content. Et je n'ai plus qu'à ajouter la neige sur les feuilles de nos beaux sapins que nous venons de planter. Eh bien écoutez, c'est sur cette vue finale du projet avec les shaders que l'épisode va se terminer. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, avec notamment ce timelapse. J'aimerais en faire plus dans plus de projets pour mettre en valeur des constructions que je peux vous présenter, même vous en apprendre plus sur comment construire d'une certaine façon. Écoutez, cette vidéo et ce projet est le début d'une grande aventure que je vais pouvoir vous présenter en vous faisant des timelapses de toutes sortes. J'espère vraiment que ce premier timelapse, qui est pour moi le début de beaucoup de choses à apprendre dans tout ce qui est le montage d'un timelapse qui met vraiment en valeur une construction. Écoutez, aujourd'hui, nous avons réussi le défi de construire ce temple. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Donc je vous dis bonne soirée, bonne journée et à bientôt les amis.